Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au motocross international de Saint-Eustrobert. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on vous précise que si vous aussi vous souhaitez suivre les chronos de cette journée. Stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to pop it. Yeah, I got that shit going. If she took the name off and bring it around, going at it till I'm gone. But then I'm not holding it down. Flying through orbits, ain't doing no talking. Right, yeah, my body as soon as I walk in, bitches be stalking. Walking up the road, they think I'm a horse. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Hey. Je vais mettre un pneu neuf après. Quand même. Pas neuf. Retourné. Pockets just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till the morning. Put that body in a hole and beating it down. Et c'est chrono. C'est maintenant. Il faut pas être mauvais. Bisous les fans. Premier virage. Allez, on remerciera le chantier là. Non mais ah, là j'y mets la 125, je la laisse là. Celui qui veut il vient la chercher ce soir. Là, là. Je rentre, je ressors même pas de barrière. On a fait les essais chrono et le cap entre les bons et les ligards, il se fait grave. Du coup, je fais 26e et je suis à 4 secondes du mec qui est devant moi. Je suis devant les ligards, c'est le principal. Pareil, l'objectif, c'est le même que Tomer, c'est de ne pas être ridicule. On verra tout à l'heure ce que ça va donner. Mais bon, avec la 125 dans les grosses armières, je vais faire ce que je peux. Et ça fait un bon entraînement, on verra bien ce que ça va donner les manches. Et on est là pour s'amuser. C'est ça mon problème. Le problème c'est que dans 10 minutes on est sur la piste. Je suis encore en train de terminer. Je me dis. 10 minutes. Je vais être prêt. À la fin, on est prêt. Thank you.
C'était une très belle manche. Attends, il y a eu la première. La première était pas là. La première, j'étais pas là. La première, je suis très très mal parti et je suis remonté comme j'ai pu. L'objectif, c'était du coup, de, encore une fois, de pas être ridicule et d'être devant les autres Normands. Malheureusement, Daniel Loin est parti dans le bon wagon et j'ai eu du mal à doubler les autres Normands. Mais du coup, je fais 26. Et puis la deuxième manche, je suis un peu mieux parti et. Et t'en as pensé quoi? Bah t'as mis pas mal d'engagement, des bonnes traces. Non franchement t'as vachement bien roulé. On peut le dire, meilleure place des Normands. Voilà. Parmi les pilotes régionaux, voilà, il est devant. Locaux. Devant c'est tous les inter, les Européens. Non franchement il a bien roulé. C'est pas pour hein, faire, mais quand même. Non après l'objectif c'est de refaire la même. Ouais. On verra bien. Garder le physique et voilà. Et puis voilà, ouais, c'est ça. La forme. De l'engagement à fond la forme. À fond la forme. C'est décathlon ça. À fond. Un sacré fin.
C'était dur cette dernière manche, la piste elle est détruite, je pense que vous l'avez vu sur la GoPro. J'ai forcé pour essayer de revenir sur Daniel Loin et je pense que je me suis trop cramé, j'ai chopé un peu un mal de tête je pense parce que j'ai vraiment forcé. Je refais 23 mais je suis pas tombé de la journée et je pense que c'est bien. J'ai bien roulé, je suis content de moi et puis... c'est un bon entraînement pour un bon entraînement physiquement pour la semaine prochaine à Gagny et après pour Mongue pour le national. Donc non, je suis content. 26, 23, 23, je rentre pas dans les points, mais le roulage était vraiment correct. Donc voilà. Et puis je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragé autour de la piste. Je vous ai tous entendu, c'était la folie. Et même si je suis pas devant, ça me fait toujours plaisir et je vous entends. Et voilà, merci à tous ceux qui sont venus me voir, qui m'ont encouragé, mes sponsors aussi qui ne sont pas forcément présents à chaque course, mais c'est vraiment cool de votre part, et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, les gars. Peace. Bag in a bag.